Pourquoi Toto Wolff n'a-t-il pas d'Instagram? Incroyable. La norme que j'essaie de respecter professionnellement et dans ma vie personnelle, c'est d'être authentique. Parfois, ça se traduit de manière émotionnelle ou négative. Mais je ne veux pas changer de visage parce que je parle aux médias. C'est comme ça que je suis. Avoir des canaux Instagram officiels ou Twitter serait super distrayant pour moi. Je suis aussi quelqu'un d'émotif, donc ça ne serait pas bénéfique si je postais des choses. Ouais, enfin, il dit ça, mais bon, le compte Mercedes sur Instagram, il poste plein de trucs de lui, donc qu'est-ce que ça peut changer? Au pire, il en a un, il l'alimente pas, et puis voilà quoi. C'est vraiment se prendre la tête pour pas grand-chose, hein. Je n'ai pas envie de prendre des selfies de moi ou de poser devant l'appareil photo. Les sportifs, les stars du divertissement doivent le faire parce que c'est leur profil, mais ces chaînes ne sont rien pour moi. Très bien, bon bah voilà. Ouais, des fois je le comprends pas trop, Toto. Il apparaît tellement de fois sur le canal Instagram, par exemple, de Mercedes. Enfin, c'est pas logique. Son raisonnement n'est pas logique. Qu'en pensez-vous?